my name is Ivoma Opereke. I'm the founder of Ivoma.com, the place that spotlights African business stories. Thank you so much for tuning in to the Yali interview series I did. I interviewed African entrepreneurs that are based in the continent of Africa, and I interviewed them when they're in Austin, Texas. Stay tuned. Enjoy! Mon nom est Stéphane Kwaku, et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Why did you apply for the Mandela Fellowship? J'ai appliqué pour Yali pour grandir, pour devenir une meilleure personne et sortir de ma zone de confort. What is the name of the business you want to start? J'ai aujourd'hui envie de commencer, de démarrer une plateforme en ligne qui s'appelle Kale. J'ai très envie qu'elle devienne la première plateforme en ligne pour l'art en Côte d'Ivoire. L'art et pour les artistes, pour les artisans, pour que les artistes et artisans gagnent plus d'argent pour ce qu'ils créent et que ceux qui sont capables de payer aient accès à tout ce beau travail que les artistes font. What do you need in order to start K? De l'argent. Donc oui, pour commencer, on aura besoin de quelque chose comme 40 000 dollars pour démarrer l'opération. Mais l'idée vraiment, c'est que en attendant de réunir l'investissement, on travaille. On a développé déjà le design et l'interface utilisateur du site. On a déjà sélectionné les premiers artisans qui seront sur le site. Donc, what is the name of your blog? Alors, j'ai deux blogs, principalement deux blogs. Un blog sur la poésie qui s'appelle demodesimages.ci. Ce blog, je l'ai démarré avec plusieurs autres de mes amis. On est passionnés par la poésie. Donc, on publie chaque semaine, tous les mercredis, de nouveaux poèmes. L'idée, c'était vraiment de toucher une niche de personnes qui aiment la poésie et qui iraient régulièrement lire nos textes. Le second blog, il est plus personnel. Il s'appelle iamstéphaneka.com. Il recense mes pensées, mes points de vue sur certaines choses. J'écris des éditos quelquefois. Et pour mes voyages et mes passions en général, je publie l'essentiel sur ce blog. What is your dream for the Ivory Coast? Comme pour la plupart des pays africains, je rêve que ce pays ait des super leaders, ait des personnes qui voient tout son potentiel et qui travaillent si dur à révéler son potentiel. J'aimerais que le pays ait une ambition très grande, parce que tout est une question d'état d'esprit, et qu'on se dise que c'est possible et qu'on peut être le plus grand pays d'Afrique francophone. Anything else you would like to add? Suivez-moi sur Instagram, I am Stéphane K, sur Twitter et sur Facebook, I am Stéphane K. Non, principalement, ce que je voulais dire, c'était que Yali est une expérience formidable. Et je me rappelle que j'ai écrit un article au début, les premiers jours, parlant de Yali et de l'expérience que c'était. Et j'aimerais que le programme continue. J'aimerais que de nombreux jeunes puissent participer à ce programme, qu'ils comprennent à quel point c'est important de sortir de son quotidien, de rencontrer une autre culture
et d'avoir l'esprit complètement ouvert parce qu'on se dit everything is possible, tout est possible. I dream of the Ivory Coast having great leaders, people able to work so hard that it unlocks the country's potential. Stefan has also created The Box, a business that offers an open studio space to photographers, creators, and bloggers. And here is his team.